se retrouve sans les loustiques. Et le grand est à l'école, le petit est en train de dormir. Et en fait, je voulais vous montrer tous les achats que j'avais faits au solde. Alors en fait, j'ai été à Reims, à Chalon, à Épernay. Et on a été au magasin d'usine à Troyes. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Alors, du coup, voilà ce que j'ai acheté comme... comme jouet. Alors, j'ai trouvé ça à Carrefour. Bonne question, le prix. Je crois que j'ai payé 10 et des brouettes. Et il était... Enfin, 10 à la place de 20, quoi. Il était à moins 50%. Donc ça, ce sera pour les anniversaires des copains du Loustic. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est pareil, ce sera pour un anniversaire. Ça, combien j'ai payé? 5-6 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, je l'ai trouvé à Cora. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pareil, ce sera pour les anniversaires des copines du grand. Je pense qu'il doit y avoir les petites bébêtes, là. Enfin, les espèces de petites fées, celle-ci puis celle-ci, et les deux petites bestioles qui vont avec. Et en fait, c'est des ailes à décorer. Donc avec des paillettes ou avec des petits morceaux de tissu qu'on pique dans les ailes. Ça, combien je l'ai payé? Il était à 24 et je l'ai eu à moins 50%, donc je l'ai payé 12. Voilà, donc dedans il y a des paillettes, des ailes en carton et des ailes en plastique avec un pic pour pouvoir piquer les petits morceaux de tissu dedans. Ça. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'était... Oups. Ça, c'était à Leclerc que j'ai trouvé ça. Ça, c'est pareil, c'est pour l'anniversaire d'une petite... Hop, d'une petite que moi, j'ai en garde. Pour ses 1 an au mois de juin. Je m'y prends en avance, mais ouais, je préfère le payer moins 50% et puis m'y prendre en avance. Celui-ci, je l'ai payé 18 euros et pareil, il était à moins 50, donc il valait 8 et 8, 16, il valait 26. Voilà, donc ça, c'est un trotteur mini. Et ensuite, hop, c'est bientôt l'anniversaire d'une puce que j'ai en garde. Elle va avoir 2 ans. Et donc, je lui ai trouvé ça. Donc c'est à partir de 18 mois, c'est Abric et Coiffier. Et en fait c'est un château avec une petite princesse et puis une petite calèche. Et ça, je crois que j'ai payé ça. J'ai dû payer ça 11 euros. Et il était à 22. Donc pareil, toujours à moins 50. Voilà. Ensuite j'ai pris, mais je pourrais pas vous le montrer. J'ai pris un circuit électrique parce qu'il a un anniversaire demain, que j'ai payé, pareil, un énorme circuit électrique, vraiment la boîte, déjà cette boîte là est assez grosse, mais la boîte du circuit électrique elle est encore plus grosse, et pareil, il était à 11 euros à la place de 22, donc voilà. J'ai également repris un tapis à langer chez Orchestra, donc de la marque Prémaman. Il est vachement épais, il est quand même énorme. Comparé à celui que j'avais avant, que j'avais acheté à 12 euros à Leclerc, celui-ci il est vraiment bien épais. C'est vrai que l'autre il commençait à se trouer. Vous avez une toise là, donc qui va jusqu'à 60 cm. Et coucou toi l'ourson, crapule. Et donc celui-ci, je l'ai payé. Il était à 22 moins 20%. Mais c'est vrai qu'il est vachement épais par rapport à mes doigts, il est vachement épais, il est bien confort et de toute façon j'en avais besoin d'un. J'ai pris également chez Keria Luminaire. Je cherchais en fait des appliques pour remplacer ces appliques là. Bon là le rose que j'ai c'est un rouge à lèvres que j'ai essayé hier, mais même en me lavant, en frottant 10 fois, c'est pas parti. Donc bref, il tient bien le choc, hein. Je l'ai eu sur Wish. C'est avec les... Il y a une fleur dedans en fait au milieu. Mais j'aimerais bien qu'il s'en aille quand même au bout d'un moment, parce que là j'ai la moitié de la main rose. Donc en fait je voulais remplacer ces appliques là, les deux abeilles là, dans la chambre du grand, parce que du coup on a remis... Oui, on a remis un bureau
Donc du coup, je voulais changer les appliques parce que bon, les appliques, les abeilles, elles font un peu bébé. Et j'ai été chez Kéria Luminaire et j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Ouais, t'as trouvé ça, toi. Alors, j'ai trouvé ces deux appliques-là. Officiellement, c'est des appliques de comment? De salle de bain. Mais moi, je voulais pas mettre trop cher dans les appliques, en fait. Et donc moi, ça va m'aller très bien. Voilà. Et elles étaient à 29. En plus de ça reste cher chez Carrière Luminaire. C'est les seules que j'ai trouvées pas trop cher. Sinon, il y en avait pour 30 euros l'appli. J'avais pas envie de mettre 60 euros dedans. Et donc, elles étaient à 29 et elles sont passées à 8,70. La gentille madame, tu veux monter? Je vais te monter après. La gentille madame m'a dit que les ampoules qui allaient dedans, c'était soi-disant des ampoules à 20 euros que eux vendaient, qu'on pouvait trouver que chez eux. Mais en fait, en regardant bien, c'est des ampoules E14. Et en fait, les ampoules E14 de 40 watts max, on en avait commandé sur le site mesampoulesgratuites.fr.com. Quelque chose là. Et qu'on a eu gratuitement en fait. Donc faut que Monsieur Papa me les accroche. Et puis normalement les ampoules qu'on a eues gratuitement, bah, elles vont aller dedans. Donc du coup ça m'arrange très bien, ça me fait économiser 40 euros. Voilà. Voilà. Non, finalement il n'y vient pas. Alors, je cherchais des baskets. En fait à Troyes, il y a deux endroits. Il y a le U. Les magasins verts, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pont Sainte-Marie. Et il y a un peu plus loin, à Saint-Julien-les-Villas, il y a aussi des magasins. Donc d'habitude, nous, on a l'habitude d'aller là-haut parce qu'il y avait un magasin Absorba. Et donc c'est là-bas que j'ai acheté leurs maillots de corps, leurs caleçons, etc. Bah, sauf que depuis le mois de juin, Absorba a fermé. Donc du coup, on n'y va plus. Et il y avait un magasin de chaussures. Et forcément, je cherchais des chaussures pour les monstres. Donc du coup on n'a pas été à Saint-Julien-les-Villas, mais à Pont-Sainte-Marie j'ai trouvé ça. Des petites pumas, donc ça c'est pour Enzo. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci qui était sympa. Hop, mais celle-ci était un peu grande, donc je les ai pris quand même pour l'année prochaine. Et les autres que je lui ai prises. Je vais trouver celle-ci. J'adore leurs chaussures chez Puma, elles sont super jolies. Là en ce moment, il a des pareil des Puma mais BMW. Je les avais trouvées à 3 aussi. Je les trouve super belles. Voilà. Pour le grand, on lui a trouvé des Adidas bleus. Et bah là, il les a aux pieds, donc je ne peux pas vous les montrer. Elles sont bleues et. Les bandes sont jaunes et la languette est jaune aussi. Il est super content. Moi, c'est pas forcément trop mes couleurs. C'est plutôt Monsieur Papa qui a trouvé celle-ci. Mais bon, apparemment, ça a l'air de lui plaire. Sinon, j'ai été chez Sergent Major. Et en fait, y a quelqu'un, y a un bébé qui va naître incessamment sous peu. Donc, du coup, je lui ai trouvé ça comme cadeau de naissance. Un petit pyjama chez Sergent Major. Et en fait, ça se présentait dans un petit sac comme ça. J'ai trouvé ça trop choupi. Et pour rajouter avec. Hop. Pour rajouter avec, j'ai trouvé une petite paire de chaussettes. Donc, toujours chez Sergent Major. Un petit bandeau. Et des petits élastiques. Je ne saurais pas vous dire les prix. Parce que je les ai coupés, vu que c'est pour offrir. Je sais qu'en tout, le pyjama au départ il valait 22 euros. Et avec tout ce que j'ai rajouté, au final, tout était soldé. Et au final, avec tout ce que j'ai rajouté, ça m'est revenu à 22 euros. Donc en gros, pour 22 euros, pour le prix du pyjama, j'ai eu les élastiques, le chouchou, les chouchous, les chaussettes et le bandeau avec. Donc voilà ça. Chez Okidi. Chez Okidi, je cherchais des. Comment? Des. Comment? Oh, des pyjamas pour le grand. Parce que c'est pareil, il commence à plus. Enfin, il n'en a pas dans la taille au-dessus, en fait. Et en plus, vu que j'avais les bons anniversaires des deux loustiques, du coup, ça m'a fait 16 euros en moins.
Celui-ci, j'ai payé ça. Bah, celui-ci, c'est la nouvelle collection, forcément. Alors, c'est en velours. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Hop. Avec le pantalon qui va avec. Donc, il est resserré aux pattes, ce qui est bien parce que le grand est tellement fin que... Voilà, c'est quand même mieux quand c'est resserré aux pattes. Hop. J'ai trouvé celui-ci. C'est pareil, c'est de la nouvelle collection. Il devait être à peu près au même prix. Je vois pas le prix là-dessus. Il devait être à... celui-ci, il est à 20 euros, là, le gris. Et celui-ci devait être à peu près au même prix, je suppose. Voilà. Donc, c'est pareil, il est en velours aussi. Le pantalon. C'est celui-ci. Le pantalon, ça doit être celui-là. Donc, le pantalon, il est comme ça. Et toujours pareil, il y a un petit élastique aux pattes. Hop, ça c'est pour le grand. Et j'ai trouvé celui-ci aussi qui était à moins 20, il me semble. À moins 20%. Donc 19 euros moins 20%. Hop, celui-ci. Et le petit pantalon. Toujours resserré. Hop, donc ça c'était à Okaidi. Je sais pas si je vous ferai tous les magasins dans l'ordre parce qu'en fait j'ai une énorme corbeille remplie. Donc du coup, je vais prendre les trucs en allant, ce sera plus simple. J'ai été chez Verbaudet. Il y a un Verbaudet qui a ouvert en fait à Reims. Et c'est vrai que j'aime bien Internet, j'aime bien commander sur Internet, mais j'aime bien voir aussi les vêtements en vrai, qu'est-ce que ça donne. Et du coup, j'ai été faire un tour chez Verbaudet. Chez Okaidi, ils avaient des beaux manteaux, mais ils étaient soldés qu'à moins 20%. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est du 9 ans. Beaucoup trop grand pour mon grand. Mais j'ai trouvé super joli. Et du coup, je l'ai pris. Puis de toute façon, il était à moins 40. Je crois qu'il était à 44 pour ceux qui font partie du club Verbaudet. 44 euros moins 40%. Donc voilà, il est bien épais. Donc sur la manche, il y a un petit écusson. Il est très très épais. J'ai adoré en fait la moumoute sur la capuche. Mais on peut le retirer. Vous avez des petits boutons là pour pouvoir retirer la moumoute. Et en fait, hop, il y a une deuxième fermeture pour pouvoir retirer la doublure. Voilà, pour faire un gilet sans manche en fait. Ça, on peut le retirer. Et donc il est vachement molletonné à l'intérieur. Là on peut le resserrer encore. Là je sais pas, il y a un... Je pense que c'est pour accrocher ça. Ouais c'est ça, 44,99 moins 40%. Donc du coup, même s'il le met pas l'année prochaine, il le mettra l'année d'après. Hop. Du coup j'ai craqué là-dessus. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Verbaudet? Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté chez Verbaudet. J'ai trouvé vachement... Il est vachement épais et... Il est super bon, moi, je trouve. Donc, ça... Ah, c'est pareil. Chez Okaidi, dans un autre Okaidi, je cherchais des pantalons pour mon grand. Parce que ben, la taille au-dessus, il a plus rien. Il avait plus rien en 6 ans. Donc, du coup, j'ai été chez Okaidi à Épernay, celui-ci, ce coup-ci. Enfin, à Pierry, moi. Et donc, j'ai trouvé pantalon... Combien il était? Il était à 18 euros, soldé moins 40%. Alors, au cas où il dit souvent, je sais pas comment ils font parce qu'il y a longtemps que j'y suis. Enfin, il y a longtemps que j'y suis pas allée. Je sais qu'avant, au cas où il dit, ils faisaient comment ils appellent ça? Les ventes privées. Quand on achetait deux articles, le deuxième était à 1 euro ou à 2 euros. Donc, en gros, ça revenait quasi à 50% sur les deux vêtements. Là maintenant les ventes privées, je sais pas comment ça se passe exactement chez Okaidi parce qu'il y a longtemps que j'ai pas reçu de mail. Par contre moi quand j'y suis allée quand? Les soldes ont commencé mercredi, j'y suis allée samedi et en fait la dame m'a dit que quand on avait la carte on avait 10 ou 20% en moins, 20% en moins je crois, donc en plus des 40%. Donc du coup, j'en ai eu pour 60 euros les six pantalons. Donc ça fait 10 euros le pantalon pour la marque Okaidi. C'est largement,
largement rentable. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui était à 18 euros aussi. Donc, c'est un jean tout clair. Hein. En même temps, pour les garçons, il n'y a pas trop... pas trop trop le choix. Hein. Un jean, c'est un jean. Et celui-ci était à moins 50%. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci était également... Bah, c'est le même, mais en plus foncé, en fait. C'est le même que celui d'avant, mais un peu plus foncé. Les fesses sont comme ça. Et celui-ci, par contre, il était qu'à moins 30. Le vert, j'ai trouvé celui-ci. Qui était... Oh, à 18 euros. Bah, je pense que tous les pantalons, ils étaient à 18. Et celui-ci était soldé à moins 50%. Donc il est vert celui-là. J'en ai trouvé des beaux aussi. Il y en avait des beaux aussi à Kiabi. Bon, ils étaient pas chers, ils étaient à 7 euros. Mais je faisais les soldes. 7 euros, c'était pas soldé. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci à 18 euros. Pardon. Moins 20%. Donc celui-ci, il est gris. Gris, ouais, gris noir. Et pour finir, j'ai trouvé celui-ci. Qui était, alors celui-ci était à 22,99€, 23, soldé moins 40. Et les poches sont comme ça. Je sais pas ce qu'il a celui-ci de spécial. Hop, et hop. Ensuite, on bascule sur 3. Donc à 3 à la boutique Puma, donc j'ai trouvé les deux paires de chaussures pour Mini Lou. Et je leur ai pris tous les deux, donc celui-ci c'est celui du grand, mais Enzo en a un aussi. Un t-shirt BMW, je l'ai trouvé trop beau. Donc il est comme ça, vous avez le petit logo BMW, en plus ça va avec les chaussures. Les chaussures qu'il a en ce moment. Voilà. Et celui-ci, il me semble qu'il était... Vous avez le petit sigle Puma, là, sur le côté. Il me semble que celui-ci, en prix magasin normal, il me semble que c'était 45 euros. Et prix outlet plus les soldes, ça, il m'est revenu à 14 euros, il me semble. Ensuite, toujours chez Puma, je vais trouver celui-ci. Ça, c'est monsieur papa qui a craqué dessus, mais moi aussi, il est vraiment super joli. Donc toujours pareil, vous avez le petit logo BMW, le là, hop, le petit col, les boutons. Enfin franchement, il est le petit Puma de ce côté-là. Moi je le trouve magnifique. Et en bas derrière, vous avez un petit logo comme ça. Et celui-ci, une fois tout retiré, je l'ai payé 17. Il me semble que j'étais à moins 30, quelque chose comme ça. Donc ça, j'en ai un pour le petit, un pour le grand. Et le bleu marine, pareil, un pour le petit, un pour le grand. Ensuite, j'ai été à Kiabi. Alors d'habitude, Kiabi, j'adore ce magasin-là, mais pour moi, en temps normal, hors solde. Pendant les soldes, je ne trouve jamais rien à Kiabi. Ils nous ressortent souvent leurs vieilleries d'il y a 20 ans. Et enfin, franchement, qui habite pendant les soldes, moi je trouve que ça vaut pas le coup parce que franchement je trouve jamais rien d'habitude. Et cette année, je me suis dit je vais y aller quand même, je vais aller faire un tour vu que je suis curieuse. Et je leur ai trouvé, et j'ai trouvé plein de trucs pour le grand. J'ai trouvé donc ce pantalon là. Bon, moi je vais lui, il y a les bretelles, moi je vais lui retirer les bretelles parce que j'aime pas les bretelles. Celui-ci, je l'ai payé 18 euros moins 50%. Donc il est comme ça. Et en bas, soit vous le laissez en comme ça, normal. Soit vous repliez et c'est à carreaux. Bon, je pense que je le laisserai normal. Bon, les carreaux, voilà. Et moi qui cherchais des pantalons. En fait, j'étais à Kiabi en premier et après, vu que j'en avais trouvé deux à Kiabi, j'ai été à Hokkaidi après. Où est le deuxième pantalon d'ailleurs? Je ne sais pas. Bon, c'est tout. J'ai été aussi à Carrefour. Alors souvent le solde sont le mercredi et mercredi matin, les trois quarts du temps, je dépose mon grand à l'école, j'emmène le petit et on va à Carrefour à 30 km de chez nous. Donc on va à Carrefour à Chalon, enfin
Carrefour à Chalon, et l'après-midi, souvent, vu que le grand a la gym, on va à Carrefour Épernay. Et en fait, j'adore Carrefour pendant les soldes parce que souvent, dès le premier jour des soldes, ils soldent à moins 50, voire moins 70. Et souvent, ils ont pas mal de pyjamas Disney qui sont soldés à moins 50. Donc là, je me suis dit le matin, je vais aller faire un tour à Carrefour à Épernay. Finalement, à Carrefour à Épernay, il n'y avait rien du tout, mais même pas une machine à laver soldée. Il n'y avait rien, rien, rien. Du coup, le soir, après la gym, j'ai demandé à mon grand s'il voulait aller, s'il voulait rentrer à la maison ou s'il voulait aller promener. Il m'a dit, ah, non, moi, je vais aller promener. Du coup, on est parti à Carrefour, à Chalon. On a refait 30 km et j'ai trouvé pas mal de trucs. Notamment, j'ai trouvé ce t-shirt-là. Ah, il fait rouge, rouge-orangé à la caméra. Il était à 8 euros moins 50%. Donc ça, le grand adore Cars, le petit aussi d'ailleurs. Donc je leur ai pris ça. J'ai pris ça pour le grand aussi. Il me fallait des t-shirts manches longues aussi pour le grand. En fait, le grand n'avait plus rien à se mettre. Le petit récupère les affaires du grand, donc lui ça va. Mais le grand avait plus rien à se mettre. Donc je vais trouver celui-ci. Il était à 8 euros moins 50% aussi. Je lui ai trouvé. Ah, ça j'adore. Je lui ai trouvé un gilet, enfin un gilet à capuche. Oh, je suis pas très gilet à capuche, je suis pas très sweat à capuche, mais celui-ci j'aime bien. C'est pareil, il était à moins 50%. Il était à 20 euros moins 50%. Donc là, il y a une capuche, celui-ci. Hop. Et voilà comment il est. Celui-ci, je le trouvais trop beau. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc les pardon. Les deux t-shirts, il y en avait pour 13 euros moins 50%. Donc d'un côté, vous avez celui-ci avec Flash McQueen. Et de l'autre côté, hop, il est comme ça. Donc c'est pas le même, hein, il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Toujours à Carrefour, j'adore cette marque-là. J'ai trouvé ce t-shirt Complice. Il était à 8 euros moins 50%. J'ai trouvé assez sympa. En plus, c'est en relief en fait. Je sais pas si ça se verra. Mais les chiffres là sont en relief. Ensuite, ça c'est ailleurs. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ça toujours à Carrefour. C'est pareil, il me refallait parce que les pyjamas, c'est bien, ça va bien pour un enfant, mais le deuxième, bon. Les dessins souvent sont, enfin, vont mal, enfin bref. Donc du coup les pyjamas j'aime bien les racheter pour le petit. Donc je vais trouver ça bah, toujours à Carrefour. Et celui-ci il était à 9 euros moins 50%. Et donc sur la patte vous avez ça. Donc ça c'est le sang dalmatien. Je vais trouver celui-ci. Il est trop 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 beau. Celui-ci il était pas soldé. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà. Oh, il est trop chou. Et en fait, quand il l'a vu, il m'a dit, oh, nana, maman, nana, maman, nana, parce que Winnie l'ourson, c'est son nana. Et donc, le t-shirt est comme ça, et le pantalon, il est couleur crème, avec des petits Winnie. Et celui-ci, j'ai trouvé trop chou. Et je l'ai payé 13 euros, je crois. Ah non, j'ai payé 12 euros celui-ci. Pas soldé, mais bon, il était trop beau. Ensuite, ça c'est. Je ne sais plus. Tout ça c'est là-haut. Ensuite, je l'ai trouvé. Non, ça c'était où? J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'était à Carrefour, il me semble. J'ai trouvé ça. Ça c'est pour le petit. Ça c'est pour Enzo. Pareil, il adore Mickey, il adore Winnie, il adore Cars. Et celui-ci, il était à 13 euros moins 50%. 99%, je l'ai vu à Carrefour, me semble. Ensuite, ah. Ah, ça, je l'ai eu à. Pardon. Ça, je l'ai eu à Kiabi. Il a. Oh, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas grave. Ça fait partie des t-shirts manches longues que j'ai eu à Kiabi pour le grand. Et en fait, ce sont des sequins magiques. Hop. Dans l'autre sens, forcément.
Voilà, d'un côté ça fait argent et de l'autre côté ça fait bleu. Voilà. Celui-ci était à 7 euros. Il était soldé, c'est sûr. J'ai plus l'étiquette. Soit moins 30, soit moins 50. Mais enfin, 7 euros, c'est pas non plus. C'est pas non plus très très cher. Ensuite, à Kiabi, toujours à Kiabi. J'ai trouvé ça pour le petit. Il adore Pikachu. Donc, je lui ai trouvé ce pyjama-là. Et le pantalon. Et. Avec la Pokéball. Celui-ci, il était à moins 30. Il était à 10 euros moins 30%. Hop. Toujours à Kiabi, j'ai trouvé ceci. Bon, un t-shirt tout simple, hein, mais c'est vrai qu'il n'avait pas, du tout de t-shirt manche longue en 8 ans. Celui-ci, il était à 5 euros moins 50%. Franchement, 2,50 euros le t-shirt, ça vaut quand même pas le coup de le laisser sur le portant. Hein. Ni de s'embêter à faire les brocantes ou 2,50€ le t-shirt, même s'il fait qu'une saison, franchement, je sais pas comment ils font Kiabi pour s'en sortir, parce que franchement, leurs vêtements, c'est peut-être pas forcément de la top qualité super géniale, mais moi, ils m'ont jamais fait de trou dans les fringues de Kiabi, franchement, au top. Hein. Ensuite, j'avais trouvé celui-ci, bon, c'est plus pour la blague. Et celui-ci, je l'ai payé 4 euros moins 30%. Hop, ensuite, je lui ai trouvé celui-là. Celui-ci. Donc, toujours à Kiabi. Et il était à 2,50 euros moins 50%. Comment ils font pour s'y retrouver? Non, mais franchement. Ça vaut même pas le coup de le laver à ce rythme-là. 2,50€, moi, 50%. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, donc toujours à Kiabi. Celui-ci était à 7€, moins 30%. Hop, donc en haut, il est comme ça. C'est pareil, c'est... Là, c'est écrit, en fait, et là, c'est en relief. Le bas des lettres est en relief. Et en fait, le bas du t-shirt est comme ça. Ça fait un peu effet double t-shirt sur le bas. Ensuite, hop, j'ai trouvé celui-ci aussi. Pareil, non, c'est où c'est? Ah, celui, j'étais à Gémeaux aussi. Et donc j'ai trouvé celui-ci à 7 euros moins violet, je sais plus ce que c'est. Moins 50, moins 30 ou moins quelque chose comme ça, quoi. Donc j'ai trouvé celui-ci. C'est peut-être bien moins 50 les violets, il me semble. J'ai trouvé celui-ci toujours à Gémeaux. Il était à 10 euros moins 50, il me semble. Hop, sur la manche, vous avez au bout un effet double t-shirt aussi. Et sur la manche, vous avez le 95. Hop. On repart chez Kiabi. Chez Kiabi, j'ai trouvé celui-ci. Je retire l'étiquette, mouchong. J'ai trouvé ce t-shirt-là, que je trouve franchement super joli. Et je l'ai payé, pareil, 2,50€, moins 50%. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Franchement, ça, c'était à Carrefour. En fait, à Carrefour, à Épernay, il n'y avait rien du tout. À Carrefour, à Chalon, j'ai trouvé tous les pyjamas, tout le reste. Quoi. Tout, en fait. Donc ça, c'est à Carrefour, à Chalon. Et donc, c'est Mickey. Et celui-ci était à 15 euros. Ticket vert, ça devait être moins 30, il me semble. Et là, vous avez une petite tête de Mickey. Hop. Ça, c'est Kiabi. Alors, hop. À Kiabi, donc j'ai trouvé celui-ci, le pyjama de Batman. Donc pareil, c'est du velours. Celui-ci était à 12 euros. Je ne sais pas s'il était soldé, je vois pas d'étiquette soldée. Mais vu que je cherchais des pyjamas pour le petit, j'ai pris les pyjamas en gros qu'il y avait. Donc celui-ci à 12 euros.
Ensuite, on repart sur Gémeaux. À Gémeaux, j'ai trouvé ce t-shirt-là, 7,99€. Moins, je sais pas combien, l'étiquette bleue, je sais pas combien c'est. Voilà. C'est vrai qu'il me refallait des vêtements pour le grand, donc j'ai pas spécialement regardé les prix. J'ai pris dans les portiques soldés, mais j'ai pas spécialement regardé à combien ils étaient soldés. Celui-ci, toujours à Gémeaux, donc là vous avez des petites étoiles en fait sur le col. Bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas trop, moi j'aime bien. Et vous avez encore des petites étoiles sur le, là, sur le petit revers de poche. Et celui-ci était à 11,99€, moins 50%. Ça c'est à Kiabi. À Kiabi, j'ai trouvé un autre jean. Donc celui-ci était à 18, moins 50%. Hop. Assez élastique celui-ci d'ailleurs. Les petites poches sont comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, à Carrefour, ils soldaient les collants. J'ai pris une paire de collants Tex, donc de la marque Carrefour en fait. Enfin, deux paires de collants de la marque Carrefour. Parce que je suis 365 jours de l'année en robe et en collant, forcément. Enfin, sauf l'été, je mets pas de collant, mais bon, bref. J'utilise pas mal de collants. Et je trouve pas mal de collants, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai souvent besoin de collants. Et en fait, j'ai trouvé ceux-là. Donc, 22 deniers. Et ce ventre plat, en plus. Oh, magnifique. Ceux-là étaient à 6,90€, moins 50%. Et j'ai trouvé ceux-là. Brillant, jarretière en dentelle. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est des bas qui tiennent tout seuls. Ah bah tiens, non, j'avais même pas vu. Bon, on va tester, hein. Par contre, ceux-là, ce sont que des 15 deniers. Donc, à mon avis, ils vont faire une fois et encore si j'arrive à les mettre sans les trouver. Et ceux-là, ils étaient à 3,90€, moins 50%. Donc, c'est pareil, c'est la marque Tex, la marque Carrefour. Donc, je vais tester ça. Ensuite, et bien, toujours à Carrefour. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça super. Voilà. C'est en fait une pochette aimantée pour mettre sur le frigo, enfin là où vous voulez, quoi, c'est aimanté. Je les ai payés 2€, il doit y en avoir 3, je crois, dedans. Ouais, 3 cadres. Et donc vous pouvez mettre une photo dedans. Ça, j'ai trouvé ça super pour faire des cadeaux pour la fête des mères ou pour la fête des pères ou. Ou ce que vous. Enfin, moi en l'occurrence, ça servira certainement pour la fête des mamans. Donc en fait, ça se présente comme ça. Là derrière, tout ça c'est aimanté. Et en fait, vous avez. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, que ce soit bien de ce côté-là. Alors, comment ça se fait ? Ah, par là. Et donc là, sur le côté, vous voyez, vous avez une pochette. Pour mettre la photo. Et voilà, et scotché, enfin, et collé sur le frigo. Ça évite les aimants, j'ai trouvé ça super sympa. Je pense que les parents de mes louloutes des louloutes que j'ai en garde, je pense qu'ils vont avoir ça pour la fête des mamans ou la fête des papas. Voilà. Ensuite, ensuite toujours à Kiabi. Hop, je vais retirer ça. Ch'touk. Et ch'touk. Toujours à Kiabi, j'ai trouvé pour mon grand. Donc je vais chercher des paires de chaussures, donc j'ai été à Kiabi en premier, après on a été à 3. Donc j'ai trouvé celle-ci, je ne sais pas le prix. J'ai trouvé cette petite paire de chaussures-là, par contre elles sont en tissu. Donc ce sera plus pour le printemps, en plus c'est du 29, donc il met que du 27-28 pour le moment. Donc, je pense que ce sera pour cet été, ou au pire à la rentrée. Il me semble que je les ai payés 9€, moins 50%. Il me semble. En tout cas, je les ai payés moins de 5€, ça c'est sûr. Donc je dis pour moins de 5€, même si c'est une taille au-dessus, finira bien par les mettre un jour. Donc du coup, j'en ai pris une paire. J'en voulais une paire aussi pour mon petit, mais j'ai pas trouvé. Il n'y avait pas sa taille. Non. Ça, ensuite, j'ai été. Ensuite à Carrefour. Ça, on les a déjà déballés. Donc à Carrefour, j'y suis allée avec Minou. Et en fait. Il a trouvé sur son chemin, donc il était dans le caddie, et sur son chemin, il a trouvé ceci. Donc c'est un poncho Mickey. Trop, trop, trop mignon. Derrière, et comme ça.
Et donc, en fait, il l'a trouvé sur son chemin. Il était à 12 € moins 50%. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu le veux, tu le prends. J'ai dit, par contre, il va falloir en trouver un à ton frère. Et donc, pour son frère, donc il y avait, pour les filles, il y avait Reine des Neiges, Vaiana, il me semble. Pour les garçons, il y avait Spider-Man, il y avait Mickey. Et donc, il y avait celui-ci. Hop. Hop là. Donc, il y avait celui-ci de Cars. Hop. Et derrière, le derrière est comme ça. Donc, pareil, 12 € moins 50%. Voilà. Donc, ça, j'en ai pris un pour lui, un pour le petit, un pour le grand. J'ai acheté aussi des jouets, des appliques, enfin 2-3 trucs qui sont déjà installés dans la maison. Du coup, je vous mettrai la vidéo juste après. J'ai été aussi à Reims, à Camailleux et à Kiabi. Et pour une fois pendant les soldes, je me suis acheté des fringues. D'habitude, je m'en achète, mais hors solde. Parce que je ne trouve jamais rien pendant les soldes. Soit il n'y a pas ma taille, soit il n'y a pas ce que je veux, enfin, soit ça ne me plaît pas, bref. Donc, du coup, à Kiabi, j'ai trouvé ça, cette robe-là. Hop. J'ai trouvé cette robe-là. Elle est un peu élastiquée, il me semble. Non, si, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Si, elle est un peu élastique au niveau de la taille. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Et donc, elle est en manche 3 quarts. Et celle-ci, je l'ai payée 25 € moins 50%. Par contre, comment dire que quand je l'ai retirée, donc je l'ai essayé 2-3 fois, hein, parce que je l'ai essayé dans le magasin, je l'ai essayé en rentrant à la maison, etc. Je l'ai essayé pour montrer à mon mari. Et au bout de la troisième fois où je l'ai retiré, j'ai entendu. Et là, j'ai découvert que. Alors, je sais pas si c'était déjà craqué avant, si j'ai élargi le trou, ou si j'ai carrément craqué la robe. À mon avis, ça devait déjà quand même être décousu un peu, parce que pour avoir un gros morceau comme ça de décousu, en fait, la robe s'est décousue au niveau du dos. Coucou. Au niveau du dos, au niveau de la doublure, alors va falloir que je la donne à ma grand-mère pour qu'elle me refasse quelque chose. Ou au pire qu'elle me remette une fermeture, je ne sais pas. Donc en fait, elle s'est décousue là au niveau de la. Enfin, au niveau de la couture, quoi. La couture, elle est là. Je sais pas si vous voyez. La couture, elle est là. Et du coup, ça s'est décousu au niveau de la couture. Alors, bon, elle est pas trop petite pour moi ni rien du tout, alors je sais pas. Est-ce qu'elle était déjà. Vu que je regarde pas spécialement s'il y a des trous ou je ne sais quoi quand j'achète, je regarde la robe en général, si elle me plaît, je la prends, mais je regarde pas spécialement les détails. Du coup, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais enfin, bon, on va essayer de refaire un petit point, puis je verrai bien ce que ça donne. J'ai été à Cora. Et à Cora, j'aime bien leurs vêtements. De peu de fois où j'y vais, j'aime bien leurs fringues. Et là, j'ai trouvé cette petite robe. Alors, attends. Hop. Cette petite. Donc, en fait, ça fait un col qui retombe. Un petit col qui retombe. Voilà, comme ça. Et c'est pareil. Donc, c'est des robes courtes. Hein. Je ne mets pas de robes longues. Elle a des petits. Des espèces de petits. C'est pas des pompons, c'est plat quand même. Je ne saurais pas comment appeler ça, mais enfin bref, de la petite dentelle. Elle en a donc au col et elle en a en bas. Quelque chose, oui. Elle a pas de... Si, elle a une doublure. Elle a une doublure. Elle fait pas transparente du tout. Hein. Hop. Et elle est élastiquée à la taille. Là. La taille est là et donc c'est élastique. Donc voilà, une petite robe d'été, mais même cet hiver avec des collants, un gilet, moi ça me dérange pas non plus. Et celle-ci, je l'ai payée 20 € moins 50%. Donc j'ai payé 10 € avec des petites étoiles. J'ai trouvé super sympa. Donc voilà, ça. Toujours à Cora. Hop. Toujours à Cora, j'ai trouvé cette petite robe aussi. J'aime bien leurs vêtements à Cora qu'ils font. J'ai trouvé cette petite robe. Donc là, elle est
au-dessus elle est un peu en dentelle. Le dos, attends, je vous montrerai le dos. Dans le dos, c'est pareil, il y a un peu de dentelle. Donc là, c'est normal, le trou pour le coup. Vous avez un petit bouton là en haut pour fermer la robe. C'est pareil, elle a une double. Non, si. Non, celle-ci a pas de doublure, mais elle est vraiment. Elle est quand même assez épaisse, enfin, on voit pas au travers non plus. J'avais un peu peur d'ailleurs quand je l'ai vue, je me suis dit, oula, on risque de voir au travers, mais non, pas du tout. Donc c'est pareil, c'est une robe courte. Voilà. Et c'est pareil, elle est élastiquée aussi à la taille. Donc il y a un élastique à la taille. Voilà. Et celle-ci, je l'ai payée 15 euros moins 50%. Voilà. Et enfin, pour finir, j'ai été à Camailleux. J'aime bien Camailleux, j'adore leur robe avec les. Leur robe tulipe là, avec la jupe tulipe. Sauf que, étant un petit peu large du bassin, les robes tulipes ne me vont pas du tout. Hop. Et du coup, je vais pas beaucoup dans Camailleux parce que je sais très bien que j'adore leur robe, mais je rentrerai pas dedans donc je vois pas trop l'intérêt d'y rentrer. Et puis je me suis dit, eh ben après tout, pourquoi pas ne pas y aller? Allez y faire un tour. Et effectivement, en allant y faire un tour, j'ai trouvé ça. Alors, je vais retirer. Hop, je vais retirer la ceinture, ce sera plus facile. J'ai trouvé cette petite robe là. Alors, ils n'avaient pas ma taille, j'ai pris une taille en dessous parce qu'en fait, la dernière taille de la robe, la plus grande taille de la robe, c'est une taille en dessous de ma taille. Mais vu qu'il y a un élastique pareil à la taille, elle me va super bien. Donc c'est celle-ci. Hop, elle est courte aussi. En bas, la doublure est un peu plus courte que la. La doublure noire est un peu plus courte que le voile. Le voile. Oups, que je ne me prenne pas les bagues dedans. Le voile est comme ça, donc vous avez des petits points sur le voile. Et j'ai adoré cette robe là. Hop. Donc vous avez le. Ça fait. Je sais pas. Voilà, comme ça. Ça fait cache-cœur en fait devant. Là. Hop. Ici. Ça fait cache-cœur. Et pareil sur le dos. Vous avez un petit morceau où on voit un morceau de votre dos, quoi. Voilà. Et vous avez pour aller avec une petite ceinture. Bon, c'est un petit ruban noir tout simple. Et celle-ci, je l'ai payée 29,99€. Je crois que ça devait être moins 50%, il me semble. Même plus, ça devait être moins 70% parce que je l'ai payé 11€ à la fin. Au final, ouais, celle-ci, je l'ai eu après. Donc ça devait être moins 70, celle-ci. Ça doit faire ça, hein, 30€ moins 70, ça doit faire 11, non? Moins 60, peut-être bien. Enfin bref, en tout cas, je l'ai payé moins cher que moins 50, parce que je l'ai payé 11€ au final, elle était à 30€. J'ai un autre Camailleux par chez moi. Enfin, par chez moi. Ils sont dans l'autre ville. Va falloir que j'aille y faire un petit tour. Hop. Et ensuite, toujours à Camailleux, dans un autre Camailleux ce coup-ci, j'ai trouvé cette robe-là. Qui n'est pas du tout au départ mon style. J'aime bien les robes décolletées parce que j'aime bien respirer, puis j'ai quand même une forte poitrine, donc il faut quand même la caser quelque part. J'aime pas les robes enfermées. Celle-ci, bah, je suis pas enfermée dedans, elle fait un col rond à peu près par ici quand même. Bah, comme là en fait, comme ce qu'on voit à la caméra. Donc j'arrive quand même à respirer, j'ai pas l'impression d'être enfermée dedans. J'ai trouvé vachement sympa. Et elle était à 40€ moins 50%. Et donc celle-ci en fait elle est manche 3 quarts, enfin moins, un peu moins que manche 3 quarts, manche par là. Et donc elle est noire, un petit pois, petit quoi? Un petit pois blanc je pense, petit pois doré, je saurais même pas dire. Voilà, petit pois doré je pense. Donc voilà, et c'est donc celle-ci, il y a une fermeture derrière, elle est élastique un peu à la taille, alors mais très légèrement, hein, c'est pas... D'habitude j'aime bien les robes avec les smocks dans le dos, mais j'ai du mal à en trouver. Et du coup,
Voilà, j'ai craqué pour celle-ci. Donc c'est pareil, elle est courte aussi. Et celle-ci, elle est vachement épaisse par contre. Ça, c'est clair qu'on verra bien rien au travers, hein. Elle est super épaisse. Ça, ah, j'ai été aussi chez Top Office. Top Office, donc j'ai acheté le fauteuil qui est derrière moi pour mon grand. J'ai acheté aussi, alors c'était pas soldé, mais franchement j'ai trouvé ça top, top du top. J'ai acheté deux choses, enfin en double, mais bon. J'ai acheté cette petite chose-là. Hop là. J'ai acheté cette petite chose-là qui est pas plus grosse que ma main. Pas plus grosse que ma main. Ça s'appelle Colorbox XS by Ullmann. Ullmann, je sais pas quoi. Bref, je vous montre ça, ça sera plus simple. Hop, comme ça. Et en fait, c'est une petite boîte, hop, que vous tirez. Enfin, vos loulous en l'occurrence. Vous avez un petit aigle-crayon. Donc, hop, on le recale dedans. Hop, on le recale dedans. Et en fait, hop, vous baissez ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, et 3, 6, et 3, 9. Vous avez 9 feutres derrière. Donc, 9 petits feutres. Ah, pas plus grand que ma main. Pas plus grand que mon petit doigt. Un peu plus grand que mon petit doigt. On va dire pas plus grand que celui-ci. Et vous avez pareil des crayons de couleur sur le devant et un petit crayon de mine. Et ça, pour emmener partout, j'ai trouvé ça super génial. Du coup, j'en ai pris un comme ça. Hop. Je connaissais pas cette marque-là. Apparemment, il y a un effaceur de feutre. Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'effaceur de feutre. Il y a écrit efface. Alors, je sais pas ce que c'est parce qu'apparemment c'est un truc blanc. Mais bon, vu que mon grand y a touché, il y en a peut-être la moitié qui est partie. Mais enfin, bref, ça, je vais les mettre de côté. Ça, j'ai trouvé ça super pour emmener au restaurant, pour emmener en voiture, pour emmener. Enfin, bref, c'est tout petit et il y a tout dedans. Ils ont largement assez de crayons de couleur et de feutre pour faire un leur. Et je leur ai pris ça. Donc, ça, j'en ai pris un chacun. Donc c'est une trousse pareille de voyage. Par contre, c'est une trousse Maped. Alors souvent, il y a des boîtes comme ça qui existent. Par contre, c'est Cars, c'est Spider-Man, c'est ce que vous voulez, Reine des Neiges ou je ne sais quoi. Le seul problème, c'est qu'à l'intérieur, c'est vraiment des feutres à la gomme. Des feutres qui marquent pas, au bout de 2 minutes, il n'y en a plus. Enfin bref, c'est vraiment des feutres. Les feutres nazes. Et là, c'est vraiment une trousse avec des feutres Maped. Donc ça, c'est les feutres qu'il avait déjà avant. Donc il en avait déjà avant des comme ça. Enfin, moi, j'adore cette marque-là. Donc vous avez les feutres, vous avez un taille-crayon, vous avez une gomme. Hop, il y avait un coloriage d'ailleurs avec. Vous avez ça, je crois que c'est l'emploi du temps. Vous avez un emploi du temps. Bon, ça après, ils sont petits, hein. Nous on leur remettra des feuilles dedans. Vous avez des crayons couleur, vous avez deux crayons mine, un feutre, un stylo noir, vous avez deux équerres et une règle. Il manque plus que les ciseaux dans cette trousse. Mais franchement, j'ai trouvé ça super parce que surtout c'était la marque Maped. Et que ben, j'adore cette marque, et que c'est vrai que les crayons vont quand même mieux que dans les trousses, que dans les autres trousses. C'est vrai que ça va mieux. Donc voilà, donc ça, du coup, pareil pour aller au restaurant, bref, on peut l'emmener partout. Donc du coup, je leur en ai pris un chacun. Chez Top Office, toujours, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qui m'a collé? Chez Top Office, j'ai trouvé ça. Mon année Montessori, grande section, 5-6 ans. Donc j'ai feuilleté vite fait, c'est pour faire les lettres, etc. J'ai trouvé ça sympa, du coup je lui ai pris. C'est vrai qu'il aime bien les cahiers de devoirs de vacances. Bizarre cet enfant, mais bon bref. Apparemment il y a des gommettes aussi. Là il y a des gommettes lettres. Là voilà, pour apprendre à faire le chiffre 2, etc. Donc ça, il a hâte de le commencer parce qu'il adore ça. Donc voilà. Et ben voilà pour les soldes. Je pense que
J'ai déjà acheté pas mal de choses. Et ben sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez trouvé au solde. Surtout pour les adultes, ça m'intéresse. Donc vous avez trouvé des robes quelque part. Donc voilà, bah dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des trucs pour vous, pour vos enfants, pour les soldes. Et puis sur ce, et ben je vais vous dire à bientôt. Bye bye pour une nouvelle vidéo.